Bonjour à tous, la poétesse Atie Boulet est gérante du Najma, de la société Najma, comme vous le constatez, le constat du syndic qui est venu sans titre pour démolir, pour fermer le mur. De l'autre côté, il a changé la clé. Et nous, déjà, la personne qui avait signé le bail, parce que nous, on a fait une reprise de la société qui continue, on n'était pas au courant de ça, c'est en décembre 2015. Qu'on a su que ça appartenait au syndic. Donc aujourd'hui, ils sont venus sans nous prévenir. Ils ont cassé la porte du derrière. Ils ont démoli. Ça c'est l'écran de la caméra. Ils ont démonté. Ils ont mis les câbles n'importe comment. Ça, c'est la carte bancaire. Ils ont démonté. L'ordinateur, tout, comme vous le voyez. Et les fils, ils ont mélangé. Ce sont eux qui ont mis ça comme ça. Alors que l'affaire est au tribunal, ils nous ont pris même notre frigo. Ils ont ramené ça. Et voilà comment ils nous ont laissé. Donc ce matin, on était partis au commissariat pour porter plainte. Et Lucie est venue faire le constat de tout ça. Hein, de tout ça. Et on est fermé aujourd'hui parce qu'on ne peut pas exercer. Et voilà. Par l'autorisation de la police, on est obligé de casser. Parce que eux, on ne sait pas pourquoi ils sont venus. Et je vous laisse. Regardez, on va vous filmer. Voilà. Tu filmes tout, dans les toilettes, les briques. Voilà. Comme ils ont eu à faire, le bordel qu'ils ont laissé. Regardez, tout est par terre. Et on va vous filmer aussi. Voilà. Ça, c'est notre bar. Notre bar s'est mis par terre. Ils ont enlevé tout. On va vous filmer tout. Voilà, je laisse qu'on vous filme. Oui, rentre. Voilà, rentre dedans. Voilà, ils ont fermé. Voilà, tu peux monter, moi je peux pas monter. Voilà. Comment ils ont fait? Ils ont cassé le. Ils ont cassé les bains.